C'est vrai. Avec jusqu'à 500 000 francs d'avantages clients sur le Mini Clubman et jusqu'à 300 000 francs sur la Mini 3 ou 5 portes, comment résister? Les Happy Days, jusqu'au 30 novembre, impossible. Impossible de dire non. C'est bon à savoir. Du lundi au vendredi, de 8 à 9 heures, avec Anne-Claire Lévesque sur NC Première. Nous nous interrogeons de plus en plus sur notre manière de nous nourrir. Aujourd'hui, la nature omnivore de l'être humain est en cours d'évolution. Si le végétarisme était encore rare voilà quelques décennies, il est aujourd'hui plutôt classique et se complète d'autres habitudes alimentaires. Végétarisme mais aussi végétalisme, l'alimentation se modifie, se débarrasse des protéines animales. Alors effet de mode, véritable engagement presque philosophique, d'où viennent ces modes d'alimentation? Pourquoi et comment les suivre sont-ils bons pour l'organisme? On en parle ce matin avec trois invités. Anna Cocholière est avec nous, elle est diététicienne, ainsi que Ludmila Gerasimov qui est naturopathe. Et Quentin Foliation est avec nous, il est membre de l'association VGNC. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 258-258, c'est évidemment le numéro à composer pour nos auditeurs, vous tous qui êtes à l'écoute. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas, le standard est à votre disposition. Et encore la page Facebook, c'est bon à savoir, NC Première, vous pouvez là aussi y déposer vos questions. Le végétarisme, le végétalisme, ou en tout cas s'alimenter autrement aujourd'hui, est-ce qu'il est finalement important, urgent de se poser ce type de questions? Anako s'interrogeait sur son alimentation. Il est évident qu'aujourd'hui, s'interroger sur son alimentation, c'est comme une priorité. En plus, aujourd'hui, c'est quand même la journée mondiale du diabète. Donc, s'il y a bien une journée où il faut parler d'alimentation et en tout cas faire attention à son alimentation, c'est quand même bien aujourd'hui. Faire attention à son alimentation, c'est quand même préserver sa santé. C'est quand même aussi se préserver face aux maladies comme le diabète, mais aussi l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Donc oui, il est essentiel pour sa santé de faire attention à son alimentation et je crois aussi pour la planète. Alors ça, c'est une manière globale. Et voilà, la transition est parfaite. Je me tourne vers Quentin tout de suite. Pour la planète, ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'interroge et vous ou d'autres, vous êtes interrogés sur votre manière de vous alimenter. Oui, c'est une des choses. Il y a plein de choses en fait qui nous orientent vers ces choix-là. Il y a plein d'informations, la santé, l'environnement, l'éthique au niveau des animaux, etc. Mais l'environnement, c'est un des piliers aussi. Aujourd'hui, c'est même nécessaire, non seulement c'est essentiel, c'est important, mais c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas passer à côté à un moment donné. Pour vous, c'est une trajectoire qui, de toute façon, on n'a pas le choix à terme. On va pas avoir le choix, parce qu'au niveau environnemental, on voit aujourd'hui qu'on est en train d'aller droit dans le mur. Et au niveau des dégradations que implique l'élevage pour 7 milliards d'êtres humains, c'est absolument massif. Et on peut faire tous les efforts qu'on voudra, si on ne fait pas les efforts là-dessus, si on ne réduit pas drastiquement notre consommation de protéines animales, on pourra pas avoir une planète durable. C'est-à-dire que pour remettre les choses en contexte, on est 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Il y a seulement un siècle, on était 1,5 milliard d'humains. Donc la démographie humaine a fait un boom incroyable. On a multiplié notre consommation de viande individuelle. Et aujourd'hui, on entretient un parc animalier terrestre de 70 milliards d'animaux d'élevage. 70 milliards. Donc ces animaux-là, il faut les placer quelque part, il faut les nourrir, donc ils prennent de la place. Donc ils rentrent en compétition avec les hommes au niveau des ressources. Un bovin, par exemple, c'est 4 hectares par tête de bétail. Imaginez ce qu'on peut faire pousser en légumes sur 4 hectares sur la même période de temps qu'on va élever une vache pendant 2 ans à l'air libre. C'est impossible. Puisqu'on n'arrive pas à se rendre compte quand c'est des chiffres comme ça, le cerveau, il peut pas imaginer. C'est difficilement concevable. Mais si on conçoit ça sur une plus petite échelle, si on était 7 humains, par exemple, les terres émergées, déserts, montagnes comprises, feraient 15 hectares sur la planète et on aurait donc 70 animaux d'élevage. Pour 7. Qui occuperait 5 hectares sur les 15. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, l'élevage, ça occupe... Alors, il y a non seulement les animaux, mais le fourrage qu'on cultive pour les nourrir. Parce que les 70 milliards d'animaux, on devrait les voir partout, ils sont 10 fois plus que d'humains. Pourtant, on les voit nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils sont élevés maintenant, en grande majorité, dans des hangars, entassés au milieu de leurs excréments. Alors, on va revenir à tout ça. Et en fait, voilà, c'est... Tout est donné. Ouais, il y a beaucoup d'infos, on va revenir. Alors, on va revenir à tout ça. Ludmila Gerasimov, pourquoi ça vous intéresse, vous, en tant que naturopathe, ces modes d'alimentation? Alors, en fait, le naturopathe donc est un éducateur de santé qui agit en fait sur la santé globale de la personne
par l'alimentation, la gestion du stress et le conseil en exercice physique. Donc effectivement, l'alimentation, c'est vraiment le pilier du naturopathe. Et on voit donc ces tendances émerger. Donc c'est un choix, en fait, je le rappelle, qui appartient à chacun. C'est un choix éthique, individuel, on va dire, donc de changer d'alimentation. On voit qu'en France, en fait, c'est un mouvement qui gagne de l'ampleur. 3% de la population serait végétarienne et végétalienne, ce qui n'est pas énorme comparé, par exemple, à l'Allemagne, où 9% de la population serait végétarienne ou végétalienne. Mais c'est un mode alimentaire, en fait, qui gagne de l'ampleur. Aujourd'hui, en fait, toutes les études scientifiques récentes tendent à prouver que d'un point de vue uniquement de santé, c'est des régimes en fait tout à fait équilibré. On reviendra bien sûr en détail sur le régime végétalien qui est très spécifique. Peut-être que Quentin nous fera la définition en fait de la différence entre un régime végétarien et végétalien. Mais en fait, c'est des régimes bien équilibrés qui ne posent aucun problème de santé. Il n'y a aucune carence potentielle s'ils sont bien suivis et bien équilibrés. Anna Kola, la diététicienne que vous êtes est d'accord? Temporise. Oui, la diététicienne que je suis, oui, elle va certainement temporiser. Ça, c'est évident. Donc après, je suis d'accord avec Ludmila. Si les régimes sont clairement bien suivis, il faut être bien informé. Il faut pas le faire tout seul. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Donc faut bien s'informer. Faut aller voir des professionnels de santé. Médecin, naturopathe, diététicienne, ça s'improvise pas. Voilà, c'est ça qui est bon pour la santé. Ça peut être bon pour la santé, effectivement. De toute façon, il est clair que réduire la consommation de viande, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète aussi. Aujourd'hui, je pense que de toute façon, il y a des exagérations au niveau de la viande. Hein. 100 grammes de viande, ça, c'est largement suffisant. Enfin, 100 grammes voilà, de steak, hein, en fait, c'est largement suffisant aujourd'hui. Alors qu'on est plutôt à combien? On est facilement à 150-200. Hein, je veux dire, on mange facilement 100 grammes le midi et 100 grammes le soir. On n'en a pas forcément autant besoin. Donc, de toute façon, réduire la consommation de viande, ça, c'est clairement admis. Il faut le faire pour soi, pour la planète. Donc, ça, je suis entièrement d'accord. Après, on s'improvise pas végétarien et encore moins végétalien. Et encore moins si la population concernée est des enfants en bas âge ou des personnes âgées ou des femmes enceintes ou allaitantes. Là, c'est des situations de la vie où on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. En particulier chez les jeunes enfants et les nourrissons. Parce que des fois, on voit des choses qui à mon sens, ne sont pas correctes. Donc, voilà. Alors, on va revenir sur ces populations plus fragiles. Voilà. Avant tout, Quentin, alors, VGNC, c'est VG pour végétarien, pour végétalien? En fait, dans VG, on a voulu englober toutes les tendances qui, enfin, tous les, on va dire, parce qu'en fait, on met les gens dans des cases, il y a végétarien, végétalien, vegan, machin. On a voulu englober un peu tout le monde pour dire que l'idée, c'est la démarche, c'est d'avancer vers ça, en fait. On peut progresser vers ça. Vers le sans viande ou le sans protéine animale? Le sans viande, le sans protéine animale, le sans exploitation animale aussi, parce que, en fait, l'association, dans ses statuts, elle est vegan, en fait. Dans ce qu'elle va promouvoir et avancer, c'est-à-dire que ça va au-delà du simple cadre alimentaire. Donc là, l'émission concerne l'alimentation, mais disons que le véganisme, il va... En fait, végétarisme... Il s'appuie sur une philosophie. Définition. Ouais. Végétarisme, on va pas manger de viande, de chair animale. Donc, pas de chair de poisson, pas de crustacés, pas de viande, que ce soit poulet ou viande rouge. On veut pas impliquer la mort d'un animal. Végétalisme, on va aussi se passer donc d'un point de vue alimentaire, des œufs, du lait, du miel, tout ce qui est issu de l'animal, puisque ça implique en fait une exploitation de l'animal. Sachant qu'aujourd'hui, le lait, ça implique aussi la mort de l'animal, puisque les veaux partent à l'abattoir. Une vache ne fait pas de lait si elle n'a pas de veau. Le veau n'est pas rentable dans le système économique. Ah oui, on pense à toute la chaîne. Voilà, donc il y a toute la conscience. En fait, on va prendre en compte toutes les conséquences de nos actes et on va adapter son choix en fonction. Et en fait, le véganisme, c'est l'aboutissement de toutes ces démarches. C'est-à-dire qu'on va aussi refuser donc, le cuir, la laine. On va boycotter le zoo, les cirques avec spectacle d'animaux, parce que ça implique du dressage, donc c'est une forme de maltraitance et d'exploitation, etc. Et en fait, on change tout son mode de vie. On change son mode de vie, mais c'est pas si compliqué que ça. Hein. Faut pas, on s'en fait toute une montagne, parce qu'effectivement, l'exploitation animale est absolument partout, mais c'est pas si compliqué que ça. On va juste s'inscrire dans une philosophie, en fait, l'éthique, c'est la non-violence derrière. Le principe de base derrière tout ça, c'est la philosophie de non-violence. C'est-à-dire que ne pas nuire à aucune forme de vivant, le moins possible, réduire son attaque le plus possible. Parce que le véganisme pur, ça, en fait, ça n'existe pas vraiment, dans le sens où quand on prend la voiture, on va tuer quelques insectes, quand on marche dehors, on va... Donc après, il y a des philosophies, par exemple, en Inde, avec le jaïnisme, où ils vont vraiment très très loin, où ils font attention à balayer devant eux quand ils marchent, on n'en est pas là. L'idée, c'est vraiment
on peut réduire drastiquement son impact en termes de violence sur le règne du vivant. Et le végétalisme, c'est pas mal. Ça en fait partie. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça l'idée derrière. Vous êtes végane ? Oui. Ok. Anako ? Non, votre mode d'alimentation ? Non, mon mode d'alimentation, non, moi je suis omnivore, je consomme de tout, de la viande, du poisson, des œufs. Et vous aimez ça ? Oui, j'aime ça. Forcément, je vais faire attention. Je vais réduire effectivement ma consommation. Je vais pas manger de la viande à outrance. On va en manger rarement. Mais pour une question de santé ou pour une question aussi philosophique, parce qu'on peut pas nier aujourd'hui l'impact animal. On est obligé d'être sensible à ça. Donc après, réduire, faire attention. À ce qu'on consomme, peut-être se tourner plutôt vers des modes bio. Genre, je ne sais pas ce que peuvent penser, c'est la question que j'aurais aimé. Qu'est-ce que vous pensez justement donc de l'élevage bio et donc du coup de consommer du lait bio ? Alors peut-être, réduire effectivement, ça c'est une priorité, et ensuite se tourner vers d'autres modes d'agriculture. Voilà, j'aimerais votre avis. Sur l'élevage bio, faut savoir que les animaux passent à l'abattoir, qu'ils soient bio ou pas bio. Donc c'est une vache qui, finalement, c'est pas la question. Voilà, la question c'est pas ça. La question c'est disons qu'effectivement c'est incomparable, vous voyez un élevage plein air et vous voyez un élevage intensif, il n'y a pas du tout la même violence derrière. Par contre, mais vous estimez qu'il y a quand même de la violence? Ah bien sûr, à un moment donné, le but c'est d'abattre l'animal. Comment fait-on pour tuer quelqu'un avec respect et sans nuire à ses intérêts? C'est une forme de violence, qu'on lui mette une balle dans la tête à bout portant et qu'elle ne le voit pas venir, c'est très violent si on regarde l'image que ça représente. Alors qu'il n'y a pas besoin. En fait, l'idée derrière, c'est qu'il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que, comme l'a dit Ludmila, on peut vivre sans. C'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs même recommandé, parce qu'au niveau des statistiques, on observe que moins les gens mangent de viande, plus ils ont des statistiques de santé favorables en termes de cancer, de diabète, d'obésité, d'ostéoporose, d'Alzheimer, de Parkinson, de tout un tas de dégénérescence maculaire, de calculs rénaux, d'insuffisance rénale. Il y a un panel super large de pathologies, et on se rend compte que les populations qui tendent le plus vers du végétalisme sont moins affectées par ces pathologies. Donc non seulement c'est bon pour soi, mais en plus c'est bon pour la planète, et en plus ça s'inscrit dans une éthique de non-violence qui est bénéfique. Quand on s'inscrit là-dedans, dans la bienveillance, l'empathie, on fait transiter des énergies en soi qui sont aussi bénéfiques. C'est karma. Lumila. Oui, alors donc par rapport à l'évaluation de ces régimes végétaliens et végétariens, donc, il y a deux études scientifiques qui font référence à la matière. Donc il y a l'Adventist Health Study qui est faite sur 70 000 personnes depuis 2002, qui est menée par l'université de Loma Linda, et il y a l'EPIC Oxford portant sur 65 000 personnes qui a lieu en Grande-Bretagne depuis 1993. Donc en fait c'est des études de cohorte, donc en fait on a des résultats au cours de ces études. Donc il en ressort en fait globalement que les végétariens par rapport aux omnivores connaîtraient, comme le dit Quentin, donc un risque réduit de maladies chroniques dont le cancer, une longévité de vie supérieure, un poids inférieur, une pression artérielle inférieure, moins de risque de diabète de type 2, moins de problèmes cardiovasculaires, moins d'ostéoporose, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, on se rend L'impact compte... L'impact aujourd'hui est scientifiquement prouvé. Oui, c'est scientifiquement prouvé, voilà. Après, ces régimes étant très riches en légumes, en légumineuses, donc très riches en fibres, en végétaux, donc vitamines, minéraux, donc c'est un régime en fait moins acidifiant, puisqu'on sait que les protéines animales sont plus acidifiantes en fait que les protéines végétales. Voilà, donc du coup c'est des facteurs de santé en fait qu'il faut prendre en compte. On va écouter un peu de musique, on se retrouve juste après pour parler de cette démarche et voir un peu comment on y vient et comment on y vient bien, pour ne pas faire d'erreurs. En tout cas on va pouvoir parler de tout ça juste après Amel Bent avec Je me sens bien. À tout de suite. Je me sens belle.
Savoir avec Anne-Claire Lévesque. 8h21, nous parlons aujourd'hui des modes d'alimentation différents, le végétarisme, le végétalisme, le véganisme notamment, qui s'installent petit à petit dans nos sociétés modernes. Pour en parler ce matin, Anna Cocholière qui est diététicienne, Ludmila Gerasimov qui est naturopathe et Quentin Foliasson pardon, de l'association VGNC. Alors pour ne rien vous cacher, ça débattait dur pendant la Melbent, notamment parce que, alors allons-y, hein, l'intérêt est là aussi. Anako, vous n'êtes pas parce d'accord. Parce que je ne suis pas forcément d'accord de dire qu'on est en meilleure santé parce qu'on ne mange pas de viande. Alors je suis d'accord que limiter sa consommation de viande, c'est bon pour la santé. Je ne veux pas être l'avocat du diable ni les défenseurs en fait, des boucheries. Loin de moi cette idée. En fait, je respecte grandement le règne animal. Je fais très attention aussi à mes choix alimentaires. Je fais attention où je vais acheter la viande, quelle viande je vais consommer. Mais après, je pense que de toute façon, c'est la dose qui fait le poison. Et on ne peut pas dire que les protéines animales ne soient pas de bonne qualité et qu'en mangeant de la viande, on va être en moins bonne santé. C'est contre ça que je ne suis pas forcément d'accord. Tout dépend quelle dose. Je pense que les protéines végétales sont très bien. Je pense que les protéines animales sont de meilleure qualité, avec un coefficient d'absorption meilleur. Je suis d'accord que l'on peut effectivement... avoir des protéines végétales, mais les protéines végétales n'ont pas le même coefficient d'absorption. Je suis d'accord qu'on peut faire les bonnes associations. En tout cas, je suis convaincue peut-être pour des personnes adultes, beaucoup moins pour des jeunes enfants. Et je pense que de toute façon, dans le lait, dans les œufs, dans le poisson, dans la viande, il y a aussi des bonnes choses en quantité raisonnable. On est d'accord, voilà. C'est des choses, c'est des débats qui ont lieu dans vos quotidiens. D'ailleurs, Ludmila, vous nous avez pas dit, vous êtes végétarienne. Alors moi, en fait, j'ai fait 6 mois à Paris quand j'étais à Paris, donc j'ai fait 6 mois de végétalisme en fait, pour tester. Hein, j'ai un petit peu testé tous les régimes. En Calédonie, en fait, on va dire que je suis plutôt flexitarienne. On en parlait tout à l'heure. Le nouveau mot à la mode. Ça veut dire quoi? Donc, je mange des œufs. Ouais. Pas de produits laitiers et un petit peu de poisson. Voilà. D'accord. Mais sinon, principalement, effectivement, légumineuses, des protéines végétales. Mmh. Voilà. Mais après, c'est un choix, je le rappelle, qui appartient à chacun. Voilà. Et alors, j'aimerais juste vous citer en fait la déclaration de l'Association américaine de diététique, qui est la plus grande association américaine qui regroupe en fait diététiciens, pharmaciens et scientifiques et qui fait référence en fait aux États-Unis. Alors donc en fait, ils déclarent que les régimes végétariens et végétaliens menés de façon appropriée sont bons pour la santé, adéquats au plan nutritionnel et bénéfiques pour la prévention et le traitement de certaines maladies. Ces alimentations bien conçues sont appropriées à tous les âges de la vie, y compris grossesse, allaitement, petite enfance, enfance, adolescence, ainsi que pour les sportifs. Alors, il faut savoir que même en France, la position des autorités de santé ont évolué dernièrement. Le programme national de nutrition santé, qui dans un premier temps se contentait de déconseiller le régime végétalien pour les enfants, en fait, a modifié ses positions en 2014. Et il recommande désormais aux végétaliens de consommer de la vitamine B12. Donc on voit en fait que les autorités de santé sont en train d'évoluer sur la question. C'est des débats que vous avez, Quentin, dans votre vie quotidienne, avec des gens qui restent omnivores de manière excessive ou pas, de manière peut-être tout à fait raisonnable, en mangeant un peu de viande de temps en temps. Ah oui, on a le débat tout le temps. En plus, avec l'association, on milite quand même un peu. Donc, mais c'est compliqué. Ce qu'on fait, c'est compliqué.
Oui et non. En fait, nous, on passe l'info. On peut faire que ça. C'est-à-dire que les gens, c'est leur choix, c'est leur responsabilité, c'est leur morale, leur karma, je sais pas. C'est chacun. On peut pas imposer quelque chose à quelqu'un. Mmh. Par contre, on peut l'informer. On peut lui dire, regarde un peu les statistiques, regarde comment ça se passe, regarde la réalité des abattoirs, regarde sur la planète, etc., etc. Et on a des gens qui reçoivent l'info. Il y en a qui la rejettent parce que ça remet beaucoup de choses en question. Il y en a qui la prennent, puis ça met 6 mois, 1 an à germer avant que le changement de comportement s'opère. On a un peu tous les profils. Après, ce qui est difficile... Il y en a chez qui le changement ne s'opérera certainement jamais aussi. Il y en a aussi, sûrement. Le plus on passe... Disons que les informations qui font qu'on va changer, assez radicalement de mode de fonctionnement, parce que je comprends que d'un point de vue... Moi, j'ai mangé de la viande jusqu'à mes 24 ans. Comme tout le monde, j'avais même au McDo et tout, mais c'est quand j'ai découvert un peu ce qu'il y avait derrière. Fast food. Au fast food, enfin voilà. Quick, au je me suis empoisonné pendant 24 ans et j'ai découvert ces infos-là, donc sur l'environnement, sur la santé, j'ai vu ce que ça impliquait au niveau de l'animal aussi, ce qu'on leur fait subir, c'est ah là là, mais ça dérange tout le monde, personne veut voir ces images, c'est pas un hasard, hein. C'est quelque chose qui nous fait tous vomir. Et je me suis dit, mais c'est moi, je donne mon argent pour financer tout ça, en fait. Et est-ce que je suis d'accord avec ça? Et je me suis dit non. Donc maintenant, je me suis dit, ces infos, je les ai eues, j'ai changé. Je vais les passer, les infos, parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui vont changer. Ça va leur être bénéfique à eux, parce que sur le plan mental aussi, tu rentres en paix avec toi-même quand tu finances plus des choses horribles comme ça auxquelles tu n'es pas d'accord. Et en fait, il y a tout ça qui... Donc nous, en fait, on débat, mais on ne débat pas pour avoir raison, on passe l'info. Après, la personne qui ne veut pas l'entendre, on va perdre notre énergie, notre temps. On va plus se concentrer sur les gens qui sont ouverts aux infos et qui vont vouloir s'informer. Et là, ouais, on est là et on leur passe l'info, quoi. Alors, Delia est allée dans la rue pour demander aux passants s'ils s'alimentaient, eux, autrement. Pourquoi ? On écoute quelques-unes des réponses et on se retrouve juste après. Je suis pesco-végétarienne. Je ne mange que des animaux issus de la mer. Mollusques, crustacés et poissons. Et depuis combien de temps ? 17 ans et j'en ai 36. Avant, je mangeais de la viande, mais un jour, j'étais en train de manger de la viande et je regardais un documentaire sur les abattoirs. Et j'ai tout vomi et depuis ce jour-là, c'était terminé. J'ai tellement d'amour en fait pour les animaux. C'est surtout dans la cruauté, comment ils sont tués et ça me blesse. Donc je ne peux pas manger Mes copains, je ne mange pas mes copains. Vous avez eu de la difficulté à passer comme ça à ce mode de vie, parce que c'est un mode de vie. Très critiqué, parce que le Seigneur a mis les animaux sur terre pour les bouffer. Alors il faut les bouffer. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est tout est une question de choix, et je pense que mon choix il est quand même respectable, oui, voilà, c'est ça. Enfin, mais le poisson, c'est un animal. J'avais tout arrêté, et j'ai eu des problèmes de santé, je suis anémie. On m'a conseillé de manger quand même une viande, j'ai choisi le poisson. Même si je sais que je suis obligée de me rabattre dessus. C'est pour ça que j'aurais voulu être végétalienne. Je mourrais pesco-végétarienne ou végétalienne peut-être. Moi, je mange de la viande. Vous pourriez changer votre mode alimentaire ? Non. Non. C'est quoi ? Parce que c'est un gros steak là, mais on ne peut pas remplacer ça. Non, je peux pas. J'aime les animaux, mais j'aime les manger aussi. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui, justement, préfèrent un autre mode alimentaire ? Après, chacun ses choix, mais c'est bien courageux de leur part, parce que moi, je ne peux pas résister. Hein. Des nuggets, je sais très bien ce que c'est, mais pourtant, je continue d'en manger. Et chacun son choix, chacun fait ce qu'il veut, et en plus, j'ai des amis qui sont végétariens, donc je comprends, oui, très bien. Deux points de vue radicalement différents. La prise de conscience, on sent que c'est central quand même dans l'évolution, peut-être même plus que la santé, on a le sentiment, dans ce passage en tout cas d'une alimentation omnivore classique au végétarisme, voire au végétalisme, c'est absolument central dans toutes les expériences qui sont les vôtres ou celles que vous croisez. Oui, c'est central, mais après on peut rester omnivore tout en ayant des choix quand même qui sont guidés. Après, on n'est pas obligé de se tourner vers les nuggets ou les fast-foods, il y a quand même d'autres choses que ça. Il y a toute une gamme et il y a toute une échelle. Hein. Voilà, entre justement être omnivore, flexitarien ou après complètement végétalien, qui restera
on va dire, l'extrême, il y a quand même, entre le consommateur de nuggets et de fast-food et le végétalien, il y a quand même une grande échelle. On peut quand même prendre soin de soi tout en continuant de manger un peu de tout, manger de la viande peut-être pas forcément tous les jours, mais une fois dans la semaine, ce qui est largement suffisant pour l'apport, comme elle disait, en fer, une viande rouge, hein, je parle. Après, on peut se tourner vers le poisson, et, mais du poisson, on va peut-être se renseigner un peu sur la façon de l'élever, sur... Voilà, enfin, moi, c'est mon avis. Après, peut-être pareil pour les poules, on va peut-être choisir des œufs de poules qui sont élevés en plein air. Je ne sais pas après ce qu'on pense, Quentin. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même des transitions différentes et des choix différents pour les gens, sans forcément aller tout de suite vers le végétalisme. Vous avez passé du tout au tout, Quentin ? Non, moi j'ai fait du végétarisme au début parce que j'avais des doutes sur le pareil. Hein, quand on a appris depuis qu'on est tout petit qu'il faut de la viande, on a tellement l'habitude de manger des protéines animales qu'au début déjà la viande c'était un premier pas, ça me paraissait bien. Puis en fait, j'ai découvert que si je voulais poursuivre ma logique jusqu'au bout, le végétalisme s'imposait en fait quelque part. Parce que le lait, c'est comme la viande, quoi. Il y a abattoir derrière, c'est même pire. C'est-à-dire qu'on fait naître des veaux pour les enlever à leur mère. Donc un mammifère, une vache, c'est un mammifère, c'est un lien d'amour très puissant avec son veau. Et le lait, par exemple, si on consomme du lait, on finance ça. Et enlever un veau à sa mère, on va le mettre dans des trucs individuels, là. Et les vaches, elles sont poussées à bout. Enfin, la production laitière, on laisse téter le veau, on prend que le résidu à la fin, quelques temps après, machin, ça n'existe plus. C'est pas viable économiquement. On trouve pas ce genre de produit. Donc, non. Ouais, voilà. Après, on sent la différence aussi dans le discours. Il y a le côté santé, ouais. Effectivement, un peu de viande dans la semaine, et il y a le côté éthique. Même pour la santé, ça a été un tournant, parce que quand on regarde sur tout ce qui est alimentation vivante, tous les hygiénistes, la naturopathie, tous ces trucs-là, et qu'on observe un peu notre anatomie, on est beaucoup plus adapté à consommer du végétal que de l'animal. C'est-à-dire que nos intestins sont beaucoup plus longs, ils sont pas faits pareil que les intestins, par exemple, d'animaux carnivores, ou même, on va dire, omnivores. Sur un ours, par exemple, qui peut manger... Dans notre pratique, mais si on regarde notre système digestif... Alors, il n'y a pas de végétalien strict dans la nature. Même les grands singes, ils sont à 98% végétaliens. Ils mangent quelques petits insectes, trucs comme ça. Mais sinon, ils mangent quoi principalement? Et on est fait comment, nous? On est fait comme eux, c'est nos plus proches cousins. Donc notre alimentation doit être énorme prédominance végétale. Et on peut le faire à 100% aujourd'hui. Donc ça, c'est pourquoi pas. Après, le truc, c'est... Il y a tout qui se mélange. Il y a l'aspect de santé. En fait, c'est un choix qui, moi, je trouve, hein, qui ramène que du positif. J'ai pas trouvé d'aspect négatif à ça. À part le goût. Le goût, voilà. Mais le goût, ça change. Les papilles gustatives, elles se renouvellent en permanence. Le corps, il réclame ce qu'on lui donne, en fait, ce qu'on lui impose. Et quand on prend Parce que c'est ennuyeux une nourriture végétalienne. Pas du tout. Et on peut faire gustativement. On peut faire des pâtisseries, on peut faire des brownies, on peut faire des pizzas, on peut faire des lasagnes, on peut faire des sushis. Alors les aficionados des pizzas doivent faire des énormes lasagnes à ce moment-là sans fromage. Tu mets pas de fromage, par exemple. Tu peux mettre, tu saupoudres avec pas de béchamel, il n'y a pas de fromage. Non, on va pas manger, effectivement, hein, on va pas retrouver exactement les mêmes ingrédients, donc les mêmes goûts, mais il y a des tas d'autres épices. Il y a plus de 80 000 végétaux comestibles sur la planète, ça vous laisse un gros panel pour vous faire plaisir gustativement. Donc c'est quand même abandonner un certain pan, finalement, de nourriture et de goût pour en adopter d'autres. Voilà. Mais le goût juste, après je ne vais pas monopoliser le truc, mais le goût, le goût c'est gustatif, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la psychologie, le visus que ça représente. Et moi je me souviens quand j'ai fait la transition, c'était aussi une forme de dégoût. C'est-à-dire que gustativement parlant, bizarrement j'avais l'habitude à ces saveurs-là, donc ça c'était pas mauvais dans la bouche. Par contre le goût est devenu beaucoup trop amer quand j'ai réalisé tout ce que ça représentait derrière. Il faut voir les crasses qu'il y a dans la chair animale aujourd'hui, hein. L'élevage bio plein air, c'est très petit en termes de production, hein. 90-95% de ce qu'on trouve dans les magasins, c'est de l'intensif, hein. Et ça c'est plein de résidus d'antibiotiques, de machin. C'est des animaux qui sont profondément malades qu'on mange, hein. C'est des animaux qui sont gavés d'antibiotiques pour survivre jusqu'à assez vieux pour qu'on puisse les abattre, et on les abat enfants. Une vache en intensif, on l'abat au bout d'un an, alors qu'elle peut vivre 20 ans, c'est des enfants. Et par exemple, dans les filières intensives sur le porcin, t'as un cochon sur 5 en France qui meurt de ces conditions d'élevage, pas de l'abattage.
C'est-à-dire qu'ils meurent avant le terme, parce qu'il est trop malade, parce qu'il vit au milieu de leurs excréments, etc. Et ça, et nous, on se nourrit de ça. Et ben, je ne sais pas comment on fait pour ne pas être dégoûté, quoi. Faut sacrément faire l'autruche pour avoir envie de continuer ça. Enfin, je ne sais pas, ça, je pointe le doigt sur personne, hein. On a des ancrages, des choses, mais je veux dire, à un moment donné, il faut regarder littéralement qu'est-ce qu'on met dans notre corps, quoi. Si on voyait l'animal de visu avant de le manger, on ne voudrait pas le manger tellement il est malade. Ça c'est dit, ne pas le voir avant. Voilà. Mimila. Alors, au niveau effectivement du goût, il y a beaucoup d'alternatives aujourd'hui hein, qui peuvent remplacer justement le goût, on va dire, des protéines animales. Et vous avez oublié ce que vous vouliez dire. Oui, exactement. Et bien, c'est pas grave. Vous qui avez testé, juste avant Anaco, vous qui avez testé 6 mois vegan, ouais. et qui aujourd'hui être plutôt donc flexitarienne, oui. c'est merveilleux. Ouais, ouais. Donc, vous mangez du poisson, vous mangez des œufs, vous vous sentiez mieux en vegan? Alors c'est un choix. Moi j'étais en fait quand j'étais végétalienne, j'étais à Paris. Et effectivement en fait sur Paris, en tant que consommateur, on n'a aucun moyen en fait de contrôler d'où viennent nos œufs, d'où viennent le poisson, etc. En Calédonie c'est quand même beaucoup plus simple. Je mange les œufs qui sont élevés en plein air chez ma maman à Boulou Paris, et pareil pour le poisson. Donc c'est de la pêche et c'est des petits poissons du lagon. Voilà. Donc après c'est un choix on va dire personnel et effectivement aussi social puisque c'est vrai que on va dire que ce point de vue social est important aussi, et que je pense que c'est la principale barrière en fait pour aller vraiment vers le végétalisme, c'est qu'on est obligé de faire un peu fi de tout le côté social par rapport au partage des repas, etc. Alors on va y revenir, je suis entièrement d'accord qu'aujourd'hui de toute façon il faut faire attention et se renseigner sur ce qu'on consomme, savoir d'où ça provient, comme disait Lunila, voilà, choisir des œufs dont on connaît la provenance. Pareil, effectivement, des fois, pour le lait. C'est vers ce genre de choses, prendre conscience quand même de ce qu'on consomme. Alors après, sans vouloir être polémiste dans l'âme, mais alors après, qu'est-ce qu'on fait des végétaux qui sont avec plein de pesticides? Dans ces cas-là, on peut relancer le débat dans ces cas-là, et parce qu'on va dire, voilà, sur les végétaux, il y a plein de pesticides, quand on dit que la viande est malade, mais peut-être qu'aussi les végétaux peuvent être aussi malades, et si on ne fait pas attention des végétaux qu'on consomme, on peut aussi consommer une grande quantité de pesticides. C'est la question qu'on se pose aussi, est-ce que du coup nos végétaux ne sont pas eux aussi pleins de pesticides? Ça tombe bien qu'on en parle, parce que justement, la plus grande partie des animaux d'élevage, ils sont nourris avec une alimentation qui est arrosée de pesticides à côté, en fait. Et OGM. Ouais. Là, j'ai vu le chiffre ce matin, d'ailleurs, 80% des OGM aujourd'hui, des cultures OGM, ça sert à nourrir le bétail. Il faut 15 kg de végétaux pour produire 1 kg de viande de bœuf, par exemple. Donc en fait, c'est comme pour la gratte, ça se bioaccumule dans la chaîne alimentaire. Donc quand on nourrit un animal avec des produits qui ont été arrosés de pesticides, et ben c'est autant de pesticides qui se stockent dans leur chair et dans leur graisse. Donc en fait, on se mange des doses démultipliées. C'est sûr que le végétal, c'est mieux de manger bio. Hein. La question d'Anaco, c'est quand on prend les légumineuses ou les végétaux. Quand on consomme dans ce cas-là de la viande bio, c'est la même chose que si je consommais des végétaux bio. Si on parle purement en fait quantité de pesticides, un élevage, si on parle en qualité. On parle juste en qualité. C'est-à-dire en fait, les végétaux, faut les manger bio. Quand on le prend en Calédonie, il n'y a pas de viande labellisée bio, donc c'est un petit peu le souci. C'est un peu le souci aussi, donc de savoir. Voilà, bon. Donc il faut développer effectivement les voilà. Donc moi, je ne suis pas forcément pour dire on arrête de consommer de la viande. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas consommer, mais améliorer le mode d'élevage? C'est plus ça. C'est juste que là, on en oublie du coup ce sur quoi Quentin insistait, et qui est la notion de non-violence et de respect. Je suis d'accord sur la non-violence et l'animal. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut développer. Pas arrêter forcément de consommer l'animal, mais peut-être mieux l'élever. Là, vous êtes irréconciliable. Je vais tout de suite aller vers le standard juste après. Il y a Kevin qui nous attend. Là, vous êtes irréconciliable, c'est que pour la santé, on entend complètement votre discours à l'ACO. Et en même temps, Quentin parle bien de l'abattage. Et l'abattage, à un moment, si vous mangez de la viande, il y en a besoin. Et ça, c'est le point central du poisson. C'est plus le problème. C'est le problème que je ne veux pas tuer un animal. Ça devient différent. Je ne veux pas tuer l'animal. Mais tout à fait. Je ne veux pas tuer un animal. Tout à fait. La non-violence vis-à-vis du monde animal, ça fait partie de la démarche. Je vais d'abord donner la parole à Kevin avant qu'il nous quitte d'impatience. Bonjour, Kevin. Oui, bonjour. Bienvenue.
Merci. C'est juste pour ça, parce que ils disent des légumes, mais il y a beaucoup de produits chimiques maintenant. Oui. Et ils disaient aussi que les animaux qu'on mange sont tout le temps malades. Mais c'est pas vrai, c'est nous quand on qui tourne à nos animaux à nous, on sait que c'est dangereux et ceux qui sont pas malades. Oui, là, vous parlez bien de la qualité de la viande, mais au final, je pense qu'on est tous d'accord sur effectivement ce que vous dites, Kevin, la qualité de la viande, quand on sait ce qu'on leur donne à manger. Là où vraiment le point central qu'on entend. C'est sûr qu'après les fast-food, c'est pas de la bonne qualité, mais après, voilà quoi, faut comparer. Le poulet congelé aussi américain, c'est ben voilà quoi. On parlait en fait de 90% des viandes. Merci Kevin. Et là, on parle bien effectivement de la qualité de la viande qu'on trouve dans le commerce. Moi, j'invite vraiment les gens à s'informer sur ce qu'ils consomment et pas simplement être juste des moutons et à se dire tiens, voilà, tiens, ça c'est joli, j'achète parce que j'ai envie de manger un steak. Peut-être se renseigner davantage sur d'où ça provient, comment ça a été élevé. C'est plus vers ça que je pense qu'on devrait se tourner. Et ce qui n'est pas forcément simple, comme le disait Ludmila tout à l'heure, quand on arrive, alors que ce soit en Calédonie et certainement dans d'autres endroits, c'est pas simple d'être végétalien. Quentin va peut-être pouvoir nous donner quelques bonnes pistes aussi, juste après Marie qui est au standard, elle aussi. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci à vous, merci aux intervenants. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Anna Koula. Hein, ouais. Moi, je mange un peu de tout et c'est la façon dont on tue les animaux. C'est ça que je ne suis pas d'accord. Ouais, si. Mais sinon, moi, j'ai des amis aussi qui sont végétariens et tout. Je respecte leur choix et tout. Mais moi, j'ai un peu de tout. Mmh. Voilà. Merci, Marie. Voilà, je suis d'accord. Ça a été votre choix. Là, voilà. Ouais. Voilà. Merci. Merci, Marie. On sent bien qu'il est là le point central où il faut accepter de tuer un animal ou pas. Et en plus de connaître les conditions. J'aurais tendance à. Je suis désolée, mais après, je loin de moi l'idée en fait d'être violente avec les animaux parce que c'est pas du tout ce que j'entends. Ouais. C'est pas du tout le message que je veux faire passer. Mais après, j'ai tendance à dire c'est un peu la loi de la nature, mais sans être violent avec l'animal. Hein, on est d'accord. Comment peut-on le tuer sans violence ? Si on veut pas être violent avec l'animal, comment fait-on ? Je suis d'accord, mais comment tuer un poisson ? Voilà, après, c'est... Pourquoi, dans le végétalisme, il n'y a pas de poisson. Pourquoi ne pas le tuer, en fait ? La question, c'est pourquoi ne pas le laisser vivre tranquille si on n'a pas besoin de le tuer ? Bon, alors... Ça paraît compliqué, effectivement. Je ne suis pas sur le fait que... je pense que de toute façon, la chair animale a des qualités nutritionnelles qui sont, de toute façon, importantes au même titre que le végétal. Du coup, là, on va dans ce sens-là. Le besoin est oui, là, du coup, on accepte. Alors que dans le végétalisme, on va dans l'autre sens, on n'accepte pas, donc on n'en mange pas. En termes de besoin, faut discerner envie et besoin quand même, parce qu'en termes de besoin, c'est prouvé aujourd'hui que c'est pas un besoin vital. Hein. On peut faire autrement. Juste, non mais après, je voudrais juste parler de au niveau technique. On parlait de bonne viande élevée en plein air bio. Oui. Bon, au-delà de l'abattoir, faut regarder l'aspect faisable de ce genre de choses. En Calédonie, on a 97% de nos surfaces agricoles qui sont dédiées aux bovins, du bœuf. On importe encore 38% de tout le bœuf en Calédonie. Ça, c'est les chiffres de l'ISEE de 2012. Donc, comment fait-on ? On ne peut pas nourrir les Calédoniens avec ce type d'élevage. Ça demande beaucoup trop de surface de terre et on ne peut pas nourrir le monde avec ce type d'élevage. 91% de la déforestation amazonienne aujourd'hui, c'est dédié à faire l'extension de cultures fourragères pour les animaux d'élevage intensif ou de pâturage. On est en train de littéralement bouffer la planète avec ce type d'agriculture. Ce n'est pas techniquement faisable pour 7 milliards d'êtres humains, en fait. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Ou alors, il faudrait réduire les doses à un niveau tellement drastique qu'on serait beaucoup plus proche d'un végétalisme que d'un omnivorisme comme on le connaît aujourd'hui. Naturellement, finalement. Voilà, enfin, en tout tout cas, ça. Et autre chose, le fait de devoir abattre l'animal, au-delà du fait d'être d'accord ou pas, de prendre une vie, d'une besoin de nécessité ou pas, l'animal, quand il passe dans un abattoir, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, il prend des doses de stress, d'angoisse terribles. Donc, il sécrète des tas de toxines, d'hormones dans ses chairs. Qui se retrouvent dans la viande. Qui se retrouvent dans la viande. Et nous, on mange ça. Et nous, on est des mammifères. On est très proches d'eux quelque part. On partage un patrimoine génétique. On partage des tas de choses. Et ces toxines et ces hormones, ça va nous parler aussi. Donc, on se nourrit aussi de ça. Et voilà, juste le petit message que je voulais faire passer. Et puis, c'est tout. Oui, Ludmila. Et je retourne au standard juste après où Vincent nous attend. On va peut-être parler de la B12 aussi. Donc, en fait, alors, je donne la parole à Vincent. Vas-y. Et puis, on va revenir à tout. On va y arriver. Et Vincent, bonjour. Vincent, vous êtes avec nous ? Vincent est parti ? Vincent est parti. Pardon Vincent, je vous ai peut-être fait patienter un tout petit peu trop longtemps. Alors, la fameuse B12, effectivement, Ludmila, en fait, vous parliez de ce
complément, oui, finalement. Alors, donc, en fait, c'est une vitamine qu'on appelle la reine des vitamines, hein, qui intervient dans beaucoup de fonctions clés, comme la synthèse de l'ADN, la production des globules rouges, la synthèse des gaines de myéline, des nerfs, etc. Donc, en fait, c'est une vitamine qui est très importante. Et c'est une les carences peuvent être dangereuses. C'est une vitamine qu'on trouve dans les produits animaux. Donc, en fait, uniquement c'est... Uniquement, ouais. Donc, par exemple, pour des végétariens, donc on va leur préconiser de consommer tout ce qui est fromage, camembert, emmental, jaune, edamame et gouda. Et pour tout ce qui est animal, le jaune d'œuf, en fait, qui est très riche en B12. Et pour les végétaliens, en fait, toutes les associations véganes, etc., françaises, donc conseillent vraiment une complémentation de B12. Donc, qui sera journalière ou hebdomadaire. Et pareillement, en fait, pour les femmes enceintes végétariennes et végétaliennes, donc pareil, hein, et allaitantes, on conseille systématiquement un apport de B12. Alors moi, par contre, j'ai une question. On conseille un supplément en B12, d'accord ? Donc, on va conseiller une supplémentation en B12, mais cette vitamine B12 que l'on prend en complément, elle vient d'où ? Ah, c'est une vitamine synthétique, faite de manière synthétique. Il y a aussi, ils la récupèrent, ils font des cultures de bactéries maintenant. Parce qu'en fait, c'est une vitamine qui est fabriquée par les bactéries. C'est pas, ça vient pas de... C'est pas une vitamine qui est... C'est une vitamine, c'est la bactérie qui la fabrique. Et d'ailleurs, on a tous dans notre tube digestif des bactéries capables de la synthétiser, mais dans des quantités assez faibles. Ouais. Et en fait, selon les personnes et la capacité d'assimilation, il y a des végétaliens qui n'ont pas besoin de se supplémenter, ils sont assez rares, parce qu'ils ont, ça demande une hygiène de vie assez irréprochable, et dans les conditions modernes aujourd'hui, c'est compliqué, parce qu'on boit de l'eau qui contient du chlore, on boit du café, beaucoup fume, les hydrocarbures, et en fait, on a un terrain qui est assez dégradé, assez acidifié. Et c'est la capacité d'assimiler ces petites quantités correctement, elle devient compliquée. Et sur un régime végétalien, effectivement, on a des apports qui sont tellement faibles, parce qu'on la retrouve aussi dans la terre, dans l'eau. Donc en fait, elle est sous forme de traces. À une époque où c'était peut-être moins aseptisé, je ne sais pas, on pouvait peut-être s'autosuffire. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Vous en prenez, la fameuse B12? Non, moi, je n'en prends pas. Pour l'instant, non. J'ai fait un test il n'y a pas longtemps et je suis dans des taux qui ne sont pas dans la norme, mais je me sens très bien. Mais du coup, je vais aviser. Là, je vais manger de l'algue clamate. Il paraît qu'il y a une étude qui a montré qu'il y avait de la B12 active dedans. Donc vous faites des tests. Ouais, je vais faire des tests. Puis si ça marche pas, je verrai, je complémenterai. On se dirige vers le standard où nous attend Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour. Bienvenue. Bien, merci beaucoup pour votre émission, parce que c'est très intéressant. Merci. J'ai beaucoup de choses à dire, il faudrait plusieurs émissions pour en parler, mais j'ai trois choses... Alors rapidement, malgré tout. Oui, voilà. J'ai trois choses, trois pavés à jeter dans la mare, comme on dit. Allez-y. Premièrement, les styrènes, qui proviennent des déchets de plastique qu'on fout dans la mer, et qui composent des continents entiers, hein, qui se mettent dans les chairs des poissons et que nous mangeons, dont nous mangeons les poissons. Oui. Ouais. Premièrement, ça. Deuxièmement, ça y est, ça me sent, c'est parti. Oui, je disais, les grandes surfaces, là, oui. Je sais que ça se fait, hein, je ne sais pas si ça se fait en Calédonie, mais vous devez en savoir un peu là-dessus, c'est que tous les légumes sont passés au rayon X pour qu'ils durent plus longtemps à l'étal, mais ce problème, c'est que ça bouffe les vitamines et c'est cancérigène. Troisièmement, après on peut en débattre, hein, mais voilà, moi je lâche les pavés. Ça va être compliqué de débattre de tout ça en 5 minutes, mais allez-y, oui. Terminez, le troisième pavé. Alors le troisième pavé, c'est les grandes surfaces. Oui. Mettent toutes des chocolats à hauteur des enfants à côté des caisses, vous voyez. Ah oui. Alors, c'est un gros problème, parce que si on veut combattre le diabète, c'est pas de cette manière qu'il faut, je pense, hein. Ouais. Il faut les mettre dans un coin au fond là-bas en disant attention. Too much sugar, oui. Trop de sucre. Merci Maurice. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite une bonne matinée. Et puis merci, je vous écoute. Hein. Il n'y a pas de souci. Merci Maurice et bonne journée. Merci de votre appel. Alors, il y a deux questions qui sont un petit peu moins en lien, mais rapidement. Peut-être sur le dernier pavé de Maurice, le chocolat. En fait, sur le fait qu'effectivement, il ne faut quand même pas oublier que végétarien ou végétalien, ça n'exclut pas le sucre, parce que le sucre, en fait, n'est pas animal. Je suis désolée, mais ce n'est pas une protéine animale. Donc, on peut continuer à consommer du sucre quand on est végétarien ou végétalien. Alors, non raffiné, etc. Pourquoi non raffiné? Enfin, je veux dire, après... Si c'est dans, dans la philosophie. Là, on parle raffiné ou pas raffiné, on peut manger très mal, être végétarien, manger très mal. Être végétarien,
rien et manger très mal. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut le miel quand on est végétalien, non. Et encore, peut-être le miel, c'est peut-être l'un des meilleurs sucres. Donc, je veux dire, en fait, on peut continuer à consommer des choses. Mais c'est vrai qu'on peut effectivement manger très mal. On peut manger très mal en étant végétarien. Ça ne veut pas forcément dire que c'est synonyme de bonne santé. C'est-à-dire que si le régime n'est pas forcément bien conduit, ce n'est pas parce qu'on est végétarien qu'on aura une meilleure alimentation et qu'on aura un poids inférieur. Parce qu'on peut continuer à consommer énormément de sucre, ce qui n'est pas forcément très bon. Maurice, simplement sur cette question du chocolat qui est à hauteur des enfants, alors on n'est pas dans le même débat. C'est une question d'éducation alimentaire, en fait, après. Donc c'est une question... Après, on aura toujours la disponibilité alimentaire, à nous de savoir faire les bons choix. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut retenir. Il faut savoir faire les bons choix. Maintenant, le chocolat à hauteur des enfants, c'est à nous d'éduquer. Mais après, finalement, les trois remarques de Maurice reviennent... À ce que vous disiez, Quentin Anaco, on peut être végétarien ou végétalien et très mal se nourrir si on ne fait pas attention au poisson qu'on mange et qu'il est effectivement pêché de manière peu raisonnable ou empoisonné. Ou les gros pélagiques qui sont très riches en mercure, comme le marlin, l'espadon, etc., qui devraient être interdits à la consommation en Calédonie. Le thon un peu moins, deux fois par mois, les préconisations du FC Que Choisir et d'Ensemble pour la Planète par rapport au mercure. Mais effectivement, prendre comme en compte tous ces critères, Quand il parle de l'origine de ces poissons qui, pour certains, effectivement, ont tous ces déchets dans les légumes traités. On peut surconsommer du sucre et on peut surconsommer de l'huile. Alors, effectivement, l'huile... C'est végétal. C'est végétal, mais consommer en excès, c'est pas bon non plus. Au niveau santé, c'est de manger des aliments non transformés et entiers, en fait. C'est-à-dire que, comme on les achète au marché, il y a des bananes, des noix de coco... Et cru, pour moi, je trouve que c'est l'idéal. Après, différents débats aussi là-dessus, mais... Alors, il nous reste 4-5 minutes au maximum dans cette émission. Je voudrais quand même qu'on parle des différents publics. Comment on y vient sereinement, sans avoir de carence? Est-ce qu'il faut faire ça progressivement? Est-ce qu'il faut être accompagné? Est-ce qu'il faut compléter son alimentation? Et notamment, alors ça va être un peu compliqué de répondre à tout ça en 5 minutes, mais quand on parle des enfants, quand on parle des femmes enceintes, on a entendu que les discours là aussi ne sont pas les mêmes, les points de vue ne sont pas les mêmes. Alors d'abord, pour y venir correctement, Anaco, sans même parler du coup de votre avis, si quelqu'un vient vous voir en tant que diététicien en disant « je veux être végétalien », oui, comment vous l'accompagnez? Je vais dire, c'est très bien, faut déjà en fait après c'est un choix, après je vais écouter ses choix et les motivations, quelles sont les motivations en devenir végétalien. Après, forcément il va falloir faire attention à maintenir une bonne quantité de protéines, à maintenir une bonne quantité de vitamine B12. Je vais pas le dire comme ça à l'antenne, ça se résume pas aussi simplement. Mais vous allez l'accompagner? On peut très bien l'accompagner. Après, si c'est une personne qui est déjà en bonne santé, donc on n'a pas de problème de santé particulier et que on pourra l'accompagner. Forcément, c'est plus facile d'accompagner au départ quelqu'un qui est végétarien. Végétalien, c'est quand même un régime qui est beaucoup plus compliqué. Maintenant, bien conduit, on prend l'exemple de Quentin, ça peut très bien se passer, même quand on fait du sport, même quand on est enceinte ou allaitante. Après, plus difficile sur les enfants qui ont moins de 3 ans. Moi, c'est pas un régime que je... Enfin, en tout cas, le régime végétalien, pas chez les enfants, même jusqu'à la fin de la puberté. Le régime, en tout cas, végétarien, pas chez les enfants de moins de 3 ans. Donc, chez ce public de jeunes enfants, moi, j'y mettrais quand même des bémols. Bien conduit, éventuellement. Après, il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'on veut conduire ce type d'alimentation chez jeunes enfants. Oui, moins de 3 ans, attention. Ouais. Le message est là. Quentin, résumez rapidement. Moi, je dirais aux gens de s'informer par eux-mêmes, de faire des recherches et de creuser le sujet et de se faire leur propre avis aussi et de trouver leur propre équilibre, faire leurs tests, leurs essais et voir ce qui convient à eux parce qu'il n'y a pas une vérité vraie. Il y en a qui vont... L'instinct aussi, le goût dit beaucoup de choses. Si on a faim de ça, quelque part, peut-être que le corps réclame ça aussi. Un aliment, il a des milliers de substances nutritives dedans. On ne les a pas toutes identifiées, on ne sait pas tout. Et tout intellectualiser, ça peut être aussi un piège parce qu'on se noie dans la nutrition. Et moi, je conseille aux gens de manger avec plaisir, à leur faim et de manière variée et entière, non transformée. Donc pas les trucs du magasin tout pré-préparé, il n'y a plus rien dedans. Mais juste, des aliments... Là, pour le coup, vous allez être d'accord. Le plus entier possible, non transformé. On évite. Et varié, parce que plus on va varier et plus on va se faire plaisir, plus on a de chance d'avoir tout ce qu'il nous faut. Que si on mange qu'un seul truc, tu vois. Mais du coup, sur du végétal, forcément, enfin, on parle de végétal, mais voilà. Et après, niveau pratique, c'est trouver des recettes, aller sur Internet, faites-vous plaisir, en fait. Je pense que si on prend plaisir à manger en végétal et varié, on a beaucoup plus de chances de se faire du bien, statistiquement, c'est les chiffres, que de se faire du mal, voilà.
Lunmila. Alors, tout à fait d'accord avec Quentin. Il a tout résumé. Du plaisir, effectivement. Et puis, aller trouver des recettes, etc. Mais, enfin bon, je, comme Anaco, un accompagnement me semble nécessaire. Notamment surtout, sur les publics effectivement, fragiles. Voilà. Et surtout dans le régime végétalien, puisque donc là, il faut vraiment prendre de la B12. Et peut-être pour les enfants, peut-être tout ce qui est les oméga-3, EPA-DHA, une complémentation pourrait être envisagée. Enfin, voilà, il y a quand même quelques... quelques éléments à prendre en compte. Hein. Et j'aurais peut-être une dernière chose à dire, surtout en ce jour de journée mondiale du diabète. Je trouve que ce que s'alimenter autrement est très très bien, prendre conscience de son alimentation et des problèmes de humains et éthiques, c'est très important. Mais avant tout, je tiens à dire aux gens, la première chose à faire, commencez déjà par réduire votre consommation d'alcool, arrêtez de fumer et prenez peut-être un peu plus souvent vos jambes et votre vélo en faisant un petit peu plus d'activité physique. Ça, c'est déjà les trois priorités. Une fois que ça s'est rempli, on va commencer après à creuser les autres sujets. Mais ne prenons pas aussi le train à l'envers. Hein. Réfléchissons à la première des choses. C'est déjà, je stoppe ma consommation de cigarettes. Ça va me faire des économies. Ça fera du bien à la planète sur plein de choses. Et puis, si déjà, j'utilise moins ma voiture et j'utilise un peu plus le vélo, j'utilise un peu plus mes jambes, ça me fera du bien. Et ça si fera aussi du bien à ma toile. Un peu moins de sucre. Voilà. Et après, tout ça, ça s'inscrit dans un processus général. Ouais. Ça, c'est important. On a le temps. Juste un dernier petit mot sur le diabète. J'invite tous les téléspectateurs et auditeurs, je ne sais pas comment on dit, à aller voir les travaux du docteur Gabriel Coussins. Aux États-Unis, il y a un centre, ils prennent des diabétiques type 2. Ils ont une alimentation donc, vivante, que des végétaux entiers vivants, donc crus, non transformés. Sur 30 jours, c'est des programmes de 30 jours, il n'y a pas que ça, mais et les gars guérissent en fait du diabète. Ça, de aujourd'hui, type 2. Type 2, oui. Voilà. Type 1, c'est beaucoup plus compliqué. Celui qui est dû au mode d'alimentation. Mais le type 2, ce n'est pas une fatalité. Il y a des médecins aux États-Unis qui le guérissent par l'alimentation, et l'alimentation entière, végétale, non transformée. Et activité physique. Allez voir sur YouTube. Ça fait partie d'un des pans essentiels du traitement du diabète aujourd'hui. On sait que l'activité physique. Et tout le monde sait que je suis vraiment une grande de l'activité physique. Je ne trouve plus mes mots du coup. Ça c'est dit. C'est important. Pour des infos supplémentaires, VGNC, comment est-ce qu'on vous contacte, Quentin? Il y a Facebook, VG espace NC Association. Il y a aussi un groupe public. En fait, il y a la page VGNC Association, c'est une page. Et il y a un groupe que vous pouvez rejoindre, où on partage justement les trucs et astuces en Calédonie, les infos, chacun peut poster. On peut manger, c'est pas trop compliqué d'être végétalien en Calédonie. Non, si on cuisine, en plus c'est ça l'intérêt, c'est que ça nous force aussi à reprendre en main notre alimentation par la cuisine, parce que du coup comme on a peut-être moins le choix à l'extérieur, bah du coup on va cuisiner plus, on va se préparer nos trucs, et du coup non, c'est vraiment pas compliqué, il faut choper les recettes avec les ingrédients locaux. En 30 secondes, comment est-ce qu'on fait des crêpes véganes? Eh ben vous, au lieu de prendre du lait de vache, vous prenez du lait végétal, du lait d'avoine, du lait d'amande, du lait de riz. Et qu'est-ce qu'on fait des œufs? Et les œufs, pour le liant, vous allez utiliser de la maïzena, par exemple. Il y a une recette, on peut utiliser de la maïzena, ça fait le liant. On en a fait là tout le week-end. Ça tient très bien. Allez voir les recettes sur les blogs VG, en fait. Il y a différentes proportions à respecter, mais vous pouvez très bien faire des crêpes. Ouais, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de vraies crêpes, entre guillemets. De crêpes mais, avec des... Mais ouais, c'est très bon, les gens sont contents, ça fait le job tout à fait, quoi, après ce qu'on met dedans. Et aussi, on a un pique-nique tous les premiers dimanches du mois au Wentoro, le midi, premier dimanche du mois, tous les midis au Wentoro, et c'est l'occasion de venir découvrir des recettes et de voir qu'au niveau gustatif, à chaque fois, c'est un festin, et qu'on peut se faire plaisir sur des trucs sains, des trucs gras. Il y a plein de façons de faire. Il y en a qui ont mangé plus on de fruits. On peut aussi manger végétalien et gras. Voilà, ça, c'est on dit. Peut aussi avoir des gros kebabs au falafel, des trucs et frites. C'est pas non plus une privation. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir entamé la discussion. Parce que visiblement, on aurait pu encore poursuivre très longtemps. Merci à Rudolf à la réalisation ce matin. Julien et Delia arrivent dans quelques petits instants pour Ça commence bien. On se quitte pas en musique, puisqu'on est allé vraiment au bout du temps qui nous était imparti. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. C'est bon à savoir. Belle journée à tous. Encore merci à tous les trois et à demain. NC Première. Pub. Ah, j'arrive pas à le dire. Normal, jusqu'au 30 novembre, ce sont les Happy Days Mini. Et pendant les Happy Days, impossible de dire non. C'est vrai. Avec jusqu'à 500 000 francs d'avantage client sur le Mini Clubman et jusqu'à 300 000 francs sur la Mini 3 ou 5 portes, comment résister? Les Happy Days, jusqu'au 30 novembre, impossible. Impossible de dire non.
Jusqu'au 31 décembre, Peugeot lance l'opération extrêmement garantie. Pour tout achat d'une Peugeot neuve, Peugeot vous offre une garantie étendue à 5 ans. Que vous soyez citadine, berline ou SUV, votre Peugeot sera garanti pendant 5 ans. Et ça, c'est extrêmement valable. Offre réservée aux particuliers, valable sur la gamme Peugeot hors véhicule utilitaire, extension de garantie de 5 ans.